Bonjour tout le monde, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour un petit peu de Game Dev Tycoon comme j'avais. Enfin, ça avait vraiment bien marché l'autre fois, donc on va continuer. J'attends d'avoir leur tour, voilà c'est bon, je peux couper ça, j'ai mis à jour, je vérifie si c'est bon. Oui. Je mets juste la petite annonce habituelle. Twitter et sur Facebook. Voilà, et vite fait le Facebook et puis on est parti pour votre plus grand bonheur, comme je suis un peu plus tôt que d'habitude puisque Zigus n'était pas là. Voilà, tu te mets là. Merde, il y a une faute, c'est pas grave. Ah, c'est pas une faute, c'est une faute de frappe. Il y a un espace entre le L et le I de life. Bon, au pire, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus grave, on va dire. Voilà, c'est cause racisme avec les Pokémon. Donc alors, bonjour à Keiko Natsume, et à Elkis, à Galette et à Bulvezone que je vois. Et Manabot, bien sûr, qui est toujours là, au taquet, bien sûr. Donc on va reprendre la partie qu'on avait commencé l'autre fois, donc Capi à la banane. On était vraiment bien avec notre série de Pokémon qui avait vraiment bien fonctionné. Donc je sais plus trop ce qu'on avait dit qu'on allait faire hier. Mais on va continuer un petit peu de faire les gros contrats. Parce que ça fonctionnait bien. Donc on avait dit, on faisait pas sur Sega. On va faire PlayStation, non c'est pas Nintendo. Faudrait qu'on ait vampire. On va faire une recherche, un nouveau top. Merde, on l'a pas. Moins qu'on crée un jeu pour nous. Alors aujourd'hui, Vena. Nanana, ils ont attendu, ils vont sortir la Dreamvast. Ils disent que c'est un rêve dans l'histoire des consoles, mais que il sera plus avancé. Ce sera la console la plus avancée. Voilà. Sortir la prochaine version du jeu sur les moteurs Ultra. Oui, je sais. Je sais, je m'en rappelle. C'est pour ça qu'il faut que je fasse des petits jeux histoire d'avoir comment dire? Des petits points de recherche, voilà, pour me faire vraiment un moteur de recherche de la mort. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser un moteur qu'on a fait il y a super longtemps. En fait, il faudrait un jeu pour les jeunes pour le moment. Salut Where's Alex, salut NoLai77, salut Pyrox. C'est bon, vous êtes encore au taquet. J'espère que vous serez au taquet aujourd'hui, vous inquiétez pas. On va essayer de faire en sorte. Donc, on va sortir un petit jeu de ninja. On va regarder ce qu'il y a de bien avec ninja. Ninja Action serait vraiment bien. Un jeu d'action ninja sur Gamelin. Avec le nouveau moteur de recherche, le Triust Engine. On va faire ça pour les jeunes. On va faire un petit jeu cette fois-ci. Donc je vais vous l'écrire dans le chat comme d'habitude. Alors, Ninja jeune sur Game Boy. Unité de nom. Voilà, donc le jeu c'est Game Dev Tycoon. Donc c'est un jeu de gestion. Vous êtes. Ça met pas beaucoup, je dois étudier. D'accord. Donc, c'est un jeu de gestion, comme je l'ai dit, et il faut créer des jeux vidéo pour faire fonctionner votre société et essayer d'arriver au plus haut possible. Alors, j'attends d'avoir vos premiers retours. Au pire, on peut utiliser par exemple. Ah, oh, bah oui, les tortues ninja. Pas con, ça a bien joué. Tortue Ninja. Ou Ninja Attack. Non, Tortue Ninja, ça me semble pas mal. Turtle Beach. Turtle Beach, c'est pas mal ça. Alors, on va faire ça en 3D. Non, en 2D comme c'est sur Game Boy. Gamelin, les jeux d'action c'est bof bof bof. On aurait pu plutôt faire un casual en fait sur Gamelin, mais bon c'est pas grave.
On va regarder sur mon petit wiki pour faire du bon boulot. Donc alors, engine à fond, ça on baisse un petit peu. Voilà, et story quest, limite on s'en fout. On va faire simplement des simples scènes coupées, donc quelque chose de simple. On va essayer de vraiment faire du bon boulot aujourd'hui, on a pas mal de hype encore une fois. Alors les médias, c'est Kirton. J'ai entendu un mot, ils sont en train de travailler sur un nouveau jeu. Agree. On va être modeste cette fois-ci. Plus d'intelligence artificielle. Alors là, on est en train de créer un petit jeu, mais qui va faire beaucoup de points, je pense. Donc là, on va avoir pas mal de hype, ça c'est bien. Donc, level design ici. Intelligence artificielle ici, ça faudrait qu'on le baisse un petit peu. Genre comme ça. Ça devrait le faire, normalement. Ça devrait pas trop être un beat. Faut vraiment que les nouvelles consoles portables sortent. Parce que ça commence à faire un peu longtemps qu'on est dessus, sur celle-ci. Donc, faudrait vraiment que les nouvelles sortent. Alors, tu streams jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 16h, normalement. Comme hier. Alors, Pokémon or et argent, donc ce qu'on avait fait hier, a été vendu à 250 000 unités et a généré 2,7 millions de revenus. Donc c'est pas mal hein, pour un jeu qui était entre guillemets sorti trop tôt, c'est vraiment pas dégueu. Voilà, on termine avec 36-40, on enlève les bugs, plein de points de design. Hop là, 39-42, c'est pas mal pour un petit jeu. Alors oublie pas que c'est pour les young, donc faut que ce soit un peu... Bah oui, non, c'est normal. Mais que c'était pour les jeunes, puisque c'était la tendance actuelle. Donc toi, tu la vas aller en vacances, toi aussi, et toi aussi, toi tu vas faire... Oh là 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 là. 5, pas terrible. Pas terrible du tout. Oh bah on est en négatif. C'est le premier jeu qu'on fait en négatif. On met tout le monde en vacances. Game report. Voilà. Donc ça se vend quand même pas mal. Hein. Malgré que ce soit un bid, ça ne nous a pas coûté grand chose. Et au final, on gagne pas mal quand même. Alors, recherche. Niveau recherche, qu'est-ce qu'on devait faire? Un easter egg. Pourquoi je peux pas le faire? Ah si, on peut. Il faut vraiment qu'on fasse masse recherche, ça se vend pas mal, c'est bien. Donc, tout le monde est revenu de vacances. On va regarder la game history pour voir. Alors pour le moment, ça nous a capté 350 000 et on a eu 2, 4, 7 de bénéf, mais c'est pas encore fini. Alors on va regarder les contrats qu'on nous propose. 7, 5... Alors ça, on doit faire un jeu de romance, de stratégie sur n'importe quelle console. On va regarder si on peut pas avoir romance, si romance. On peut essayer. Je regarde juste vite les autres contrats. La romance casuelle sur Sony. Mais j'aime pas, j'ai pas envie de travailler pour PlayStation en fait, c'est ça le problème. Alors on peut faire un truc sur gaming de vampire pour tout le monde. Ouais, ça devrait le faire. Tu vas faire la recherche nouveau topic vampire. Alors je vous le dis déjà, vampire jeune sur Game Boy. Et toi tu finis la recherche, voilà. On va créer le contrat. Donc voilà sur gaming. J'aime pas la PlayStation, mais c'est pas que j'aime pas la PlayStation, j'aime bien, mais j'ai pas envie de faire... J'avais dit que, entre guillemets, pour cette partie, je travaillais que pour Nintendo, donc voilà, j'avais pas envie de changer. Alors, vampire,
Alors, ce serait bien un RPG avec les vampires et sur Gamelines, les RPG sont pas mal. Donc, on va faire un RPG. On va utiliser le Trist Graphique, faire un Medium Games. Et on va appeler ça Vampire Diary. Ouais. Non, Galette contre les vampires. Galette contre les vampires, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal du tout, donc un RPG, on a dit. Ouais, mais les parts de marché, c'est pas. Un 7 de moyenne, ça devrait le faire, je pense. Surtout qu'on va avoir un petit peu. Enfin, on sera un peu mieux payé comme. Alors, ça, comme ceci. Voilà, masse gameplay. Alors, on va mettre. Qui a beaucoup de technologie, on va mettre Connor Rogers. On va mettre moi sur le design. Et on va mettre Ricky. Non, Alicia ici. Voilà. Ike vs Vampire. Ouais, ça pourrait être pas mal. Alors, Turtle Beach, Thor du marché, vendu 61 000 fois et 430 000 de revenus. On va voir si c'est les profits. Ouais, on n'a rien perdu dessus, donc au pire, c'est pas trop trop grave. La tête, vous grattez la tête, les gars, c'est pas bien. On va faire quelque chose de marketing, un petit truc, voilà, les magazines, petite campagne, grosse campagne, non. On va faire une petite campagne. Non, allez, magazine et démo. Voilà. Histoire d'avoir un peu plus de hype et de pouvoir réussir le contrat surtout. Donc comme on est en RPG, l'action est très importante. Voilà, l'intelligence artificielle pas trop. Donc alors, comme c'est un peu tout, on va mettre lui, Liam Crawford ici et Alicia là-bas. Pour le moment, le travail est bien réparti. Ils ont des poules les employés. Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Là, on va faire un jeu de la mort, je pense. Alors, c'est quoi ton jeu, gros? C'est Game Dev Tycoon, il est écrit dans le titre. Et c'est un jeu de gestion. Il faut créer des jeux vidéo pour rentabiliser votre société et essayer de d'avancer avec comment dire? L'histoire du jeu vidéo. Baisse le son, baisse un peu les graphiques. Alors, niveau design, on va mettre elle, on va mettre moi là, Liam, on va te mettre là-bas. Voilà, c'est pas mal, j'ai beaucoup plus de boulot qu'eux, mais au final, c'est pas trop grave. C'est bien réparti. Donc là, on va sûrement faire un record niveau design. Que je pense pas qu'on a déjà dépassé les 60, pas mal de technologies. On va attendre qu'on enlève les bugs. On a un peu de réputation. Hop, hop là, 65-49, pas mal du tout. Double nouveau record. New topic, new combo, ça c'est bon. Il y a toutes nos stats qui augmentent, donc on espère que tu commences dans un garage et plus tu réussis dans la vie, plus tu as des locaux qui payent. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Alors, ça elle demande un peu plus de salaire, allez, oui. De toute façon, on a la thune pour. Je peux pas faire le game report market analyse. Alors, les jeux de simulation sont pas particulièrement. Galette et les vampires arrivent. Bif, 8. On doit faire minimum 7 de moyenne. 8, c'est bien. 8 encore. Allez, encore un bon. 7, ouais, voilà, on est au-dessus de 7, donc comment dire, le contrat est rempli, donc ça c'est bon, 7,75. Niveau recherche, on va faire dialogue, non, better intelligence artificielle. Et alors, il nous faut. We are looking forward to future business. Donc là, ils sont contents. Aujourd'hui, il y a la plateforme Dreamvast qui sort. Donc on va mettre ça en pause le temps qu'on regarde. Il faudrait qu'on fasse un jeu de simulation pour nous-mêmes. Alors sur simulation, qu'est-ce qui fonctionne bien? Là, la super test, mais qui est plus. Ah si, elle est toujours dispo en fait. On va regarder. Est-ce que la super test 64. Non, la super test n'existe plus.
va regarder autre chose plutôt. Alors, on a la Test 64 simulation, c'est pourri. Sinon, il y a la Dreamcast. Sinon, les PC. Toujours PC mature. On va regarder s'il n'y a pas un des titres qu'on a qui pourrait être pas mal en mature. Donc voilà, Galette contre les vampires qui se vend vraiment pas mal, donc je suis assez content. Alors dans les topics, alors qu'est-ce qu'on a qui pourrait être bien pour les matures? Et en simulation, Airplanes, on n'a pas. Évolution. Il est où? Évolution, simulation pour tout le monde, ça pourrait être pas mal ça je crois. On va faire un jeu d'évolution, de simulation. Plateforme, ça je sais pas encore, on va regarder. Niveau simulation, il y a quoi de bien? Super Test, il y a plus. Dreamcast. À limite, la Dreamcast vient de sortir, on pourrait peut-être faire quelque chose dessus. Dreamcast, et c'est bien pour tout le monde. Ouais, on va faire sur Dreamcast, tant pis. Et alors, on va faire un Medium Games pour tout le monde. Donc alors, je vais mettre évolution, simulation sur l'équivalent de la Sega mais version 2, que ça s'appelle la Dreamcast, qu'ils appellent ça. Alors on va attendre d'avoir vos retours pour un petit titre sympa. Évolution, ça devrait vraiment faire un bon buzz puisque j'ai des plus partout. Chaînon manquant. Non. SimCity 2000. SimCity. Non. Ouais, allez, SimCity. SimCity. On va mettre comme si c'était le 1, donc on va laisser ça comme ça. Ça devrait bien fonctionner normalement. Salut Baxter Butler qui vient d'arriver. Donc à mon avis, vous êtes en train de rentrer tous de l'école, c'est pour ça que vous arrivez en masse comme ça. Alors, c'est un jeu de simulation, donc il faut masse gameplay, il faut rien en story quest. Il faut pas mal en engine. Alors, on va me mettre moi là-dessus. Celle qui a Mass Icon. Non, Mass Design, c'est Liam Crawford. Et alors, on va mettre Ricky là-bas. Voilà. Alors, Alter Life, ouais. De retour du lycée. Du fucking lycée, ouais. Vous allez à l'école le matin, moi je vais le soir. Donc, au final. Alors aujourd'hui la Vega Oasis a été retirée du marché. Non, dans 2 mois la Vega Oasis, donc la Sega, sort du marché. Alors on va faire ouais, une médium. Ah, pour la convention. Ouais non, on investit. De toute façon on a 15 millions, on a masse thunes, on est bien en avance. Alors. Donc on a des simulations, donc intelligence artificielle à mort, level design pas, ça comme ça. Alors, on va équilibrer la... Attendez, hein. Il faut mass design ici. Il faut un peu tout. Donc on va mettre Eki et Alicia ici, puisque t'as encore rien fait. Voilà. Toujours aussi Zarbi les horaires de... Allez. À l'HEAJ, ouais, non, mais... C'est pas à l'HEAJ, moi, c'est les cours du soir que je fais, mais c'est en... C'est tout près, quoi. Alors... le niveau 3, alors... Le graphique à mort, le son un petit peu... écapé comme ça. Voilà, alors... Alicia, donc il faut mass design ici... Ah non, il faut un peu tout. On va mettre Ricky... Voilà, moi on va me mettre ici et Liam nanana, et Alicia ici.
Bon, il aura pas fait grand chose sur le boulot, mais. Ok, on va échanger. Voilà, comme ça c'est mieux. Moins qu'Alicia soit ici. Non, on va laisser ça comme ça, c'est pas mal. C'est bien réparti. Donc, on n'a pas énormément de hype, donc on va. Ah ouais, non. Merde, je vais faire un marketing, c'est pas grave. Il y a la G3. Donc on va faire masse entrée pour SimCity. 300 000, 325 000. Alors, le marketing, on va faire une campagne 500K. Allez. On a masse hype là, vous le voyez. Le jeu va bientôt sortir. Donc. Et il est en train de monter masse. Voilà, la Vega Oasis c'est hors du marché. Allez, on enlève les bugs. Un peu de techno, un peu de design. Hop, hop, ça monte encore. Une proposition. Un accès au système. Non, je veux pas de sabotage. Paf, paf, voilà, 64-62. Double nouveau record encore une fois. Ah non, simple. New combo, good management, ça c'est bon. Bientôt les 104 femmes, ouais, on a 94 fans, pas femmes, j'ai dit une couille. On a 94 900. Donc le jeu, il demande plus de thunes. Allez, nouvelle recherche. Ça c'est bon, on va faire des recherches maintenant qu'on a un peu d'avance. Donc on va prendre un compagnon, intelligence artificielle. Le dialogue, non, le son. Voilà, on va l'augmenter. Toi, tu vas faire le game report et on va attendre la review de SimCity. Voilà, 8. C'est pas mal, c'est pas mal. 95-4 fans, ça va bientôt arriver. Allez, un petit 8, voilà, encore un. Et alors là, ce serait vraiment pas mal. 8, voilà. 8 de moyenne, c'est très bien. Alors, on va faire ça pendant que eux ne peuvent rien faire du tout. Alors, galette contre les vampires est hors du marché, a été vendu 1 600 000 fois et a généré 2 1 millions de revenus. Pas mal du tout. Regardez SimCity qui est en train de se vendre masse. Oh mon dieu. Tout ce qu'on a investi dedans, c'est en train de revenir, c'est génial. Regardez Game History. Pour le moment, on a perdu un peu de thunes, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Parce que ça nous a coûté 1,4 million au total avec le marketing et tout, mais ça va revenir. On est que à la première semaine, c'est déjà vendu masse jeu. Là, on a eu 1,2 million de profit avec Galette contre les vampires, donc c'est vraiment pas mal. Alors, le Game Report. Alors, on va faire une recherche d'un nouveau topic. Niveau simulation, romance. Est-ce que romance, ça pourrait être bien en simulation? Non. Enfin, oui, bof. Oui, mais sans plus, il est mis romance. Sinon, Wild West, non. Airplane. Airplane simulation, nickel. On va faire un jeu d'avion. Regardez, ça, c'est en train d'être vendu à masse. Ah, multigenre. Oh, ça, c'est bon, ça. Ça y est, on a dépassé les 100 000... Les 100 000 fans. Ça, c'est très très bon par contre. Donc fais vite ta recherche, toi. Voilà. On va créer un nouveau jeu. Donc, Airplane. Simulation sur Dreamcast. For everyone. Alors, Airplane, c'est bien comme ça. On a encore pas mal de... De plus, donc sur mon truc, donc sur mon guide, donc là c'est vraiment pas mal. On va faire medium pour tout le monde. Alors je vais mettre avion simulation pour tout le monde. Pense à prendre le branching story syncrope pour ton moteur. Ouais, mais je vais essayer. De toute façon, tant que j'ai pas toutes les dernières trucs et qu'on n'a pas la nouvelle NextGen, je ferai pas de nouveau moteur graphique. Enfin, quoique j'en ferai bien un nouveau en fait. Ace Combat. Je vais attendre d'avoir des nouveaux. Elky Swing. Oh. J'attends encore un petit peu d'avoir 2-3 propositions. Pilot Wing sur Super NES. Pilot Wing.
Merde, j'ai pas écrit. Pilot Wing. Ça donne mieux comme ça. Non, Pilot Wing, allez. Soyons fous, on y va comme. Crash Plane. Oh ouais! Merde, pas Crash. Crash Plane. Non, tu vas y arriver. Crash Plane, voilà. Next. En 2D sur... Ouais, 2D, allez. J'espère qu'on aura bientôt les nouveaux graphiques. Graphisme, pardon. Enfin oui, graphique en fait au final. Donc toujours simulation, donc niveau des trucs comme ça, on change rien. Linear story, voilà. Alors, on va essayer de bien répartir ça. Donc ça c'est du 50-50, donc il faut lui. Voilà, on va mettre Conrecla ici. Alicia là-bas. La pauvre femme, elle fait jamais rien dans la société. En même temps, elle a pas des stats énormes, faut l'avouer. Alors la Master V maintenant, dans deux mois la Master V sera hors du marché. Donc les nouvelles consoles risquent d'arriver bientôt. On va faire un petit peu de marketing. Une campagne à 500 comme on avait fait avant. Voilà, Mass Hype. Voilà. Alors, on va mettre Alicia, tu restes là, c'est très bien. Liam Brown ici et Connor Rogers. Attendez, je regardais un petit peu. Donc c'est... Il faut Mass Technology. Ah ouais, non, pas lui. Lui plutôt. Voilà, comme ça c'est équitable. Il est en train de se vendre vraiment pas mal à notre SimCity. Mais ouais, c'est vrai que la simulation 3D ce serait bien, mais le problème c'est qu'on n'a pas encore des gros moteurs niveau 3D, donc je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Alors moi là, Prickley ici. Attendez que je regarde le son, donc un peu le design, on va mettre Alicia. Limite on peut mettre Liam ici, non. Non, ça va rester comme ça. Ou comme ça, ouais allez. On va mettre ça comme ça. Un jeu de simulation en 3D, IRL ça me tente, j'en ai jamais vu. Alors, SimCity a été vendu à 490 000 unités et a généré 5,4 millions de revenus. Alors aujourd'hui, ah la PlayStation 2 qui va sortir bientôt, ça c'est cool. Drake la GameCube sorte aussi, histoire qu'on reste avec Nintendo comme on avait dit. Donc on va créer le jeu puis on enverra tout le monde en vacances. Là on est en train de faire un super bon jeu je pense. Voilà, la Master V n'est plus supportée. 67 technologies, on va attendre que les bugs s'enlèvent. La Dreamcast, la PlayStation 2. Allez stop, 61-76, niveau technologie c'est abusé. Nouveau combo, nouveau topic, bon management, voilà on se tape un bonus de 1,8 pour nos stats, ça c'est très très bon. Nouvelle recherche vidéo playback. Donc alors, on va envoyer tout le monde en vacances. La game review. Allez, s'il vous plaît, un 10. Yes, un 10. Allez. Un all-in. 9. Ouais, merde. Jamais eu de full 10 en fait. 9, encore une fois, ça c'est bon. Allez, un petit 10. Un 9. Voilà, 9,25. Pour un petit jeu comme ça qu'on a fait vite fait, c'est pas mal. Enfin, un petit jeu. Vraiment relatif, bien sûr. Regardez, c'est en train d'être vendu. Boum. Alors, PC Software, Microsoft va sortir la Xbox. Ah, ça c'est bon. La première Xbox. Aujourd'hui, la PlayStation 2 vient de sortir. Alors, notre Crash Plane a été vendu à plus de 500 000 exemplaires. Donc, pour sans être un contrat, c'est énorme. On va regarder nos recherches. Donc, on va faire Branching Story. Voilà, on va attendre que tout le monde revienne de vacances. Et puis, on fera un petit contrat, je pense. Regardez ça.
Il va passer le million. On a 26 millions. Ouais, c'est énorme. C'est vraiment... on a vraiment réussi quelque chose dans un jeu. Ça, c'est vraiment cool. Et limite, comme ça va faire longtemps... Il était vendu à plus d'un million de fois. Wow. On ferait bien... la petite suite de Pokémon. Comme il n'y a pas de genre pour le moment qui fonctionne très bien. On va faire la suite de Pokémon Argent. Or et Argent. Je sais pas ce que vous en pensez niveau casual. C'était vraiment pas mal. On va regarder un petit peu les parts de marché. Oui, Gamelin. Ah ouais, putain, Gamelin n'a vraiment plus rien. J'hésite. Non, on va attendre vraiment qu'une nouvelle console sorte pour le faire. Comme ça, ça fera vraiment beaucoup d'impact. On va faire un nouveau Custom Engine. 3D graphique 1, voilà. On a pas mal de nouveaux trucs. Multijoueur, easter egg, better AI. Oh putain, ça va nous coûter cher, mais ça va être une tuerie. Alors, on va appeler ça... Le Bulve Zone Engine. Voilà, ça va nous coûter masse. Mais ça peut être pas mal, je pense. Comme ça, on perd un peu de temps, j'ai envie de dire. Comme ça, on crée un nouveau moteur de la mort. En plus, on aura pas mal de nouvelles recherches en plus. On va pouvoir prendre des nouveaux topics. Allez, on crée le machin. Voilà. Crash Plane, 1,5 million de ventes. On a 32 millions. Alors, on va faire une large campagne, comme chaque année. Une complète 500K en nous. Ouh là 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 là. Nouveau truc. Alors, le Bulve Zone Engine a été créé. Alors, on va créer une suite d'un jeu d'il y a longtemps. Qui avait bien fonctionné, c'était Brain vs Zombie. Non. En plus. Ou TMG City. Ouais, Crash Plane, c'est la nouvelle licence de la mort. C'est vrai qu'on ferait peut-être bien un petit Resident Evil. Enfin, Resident Evil 2. Avec le nouveau... Enfin, on la ferait bien sur la nouvelle console, en fait. On va regarder. Alors, nouvelle console. La Xbox. La M-Box, c'est très bien pour les jeux d'action. Donc ça, c'est bon. Et pour tout le monde, donc on va faire ça sur M-Box. Merde, elle est pas encore sortie. Ou sur PlayStation, je crois que ça revient au même. PlayStation 2. Oui. Je peux pas développer des add-ons. Non, on peut pas. Enfin, peut-être plus tard, je sais pas. Limite, on va attendre que la Xbox sorte et on fera une suite. On va faire des recherches en attendant. On va faire vidéo playback. Toi, tu vas rechercher un nouveau topic. Sport. Oh oui. Sport. Alors, Crash Plane est hors du marché. Il a été vendu 1,5 million fois et a généré 16,7 millions de revenus. C'est le plus gros jeu, enfin le plus gros revenu qu'on a jamais eu avec un jeu. On va faire des add-ons. Non. On peut pas faire des add-ons. Enfin pas encore. Peut-être qu'on pourra. Alors là j'ai 3. Un million. Non, 100 000, j'allais dire 1 million de personnes, c'est pas possible. 378 000 personnes pour capter la banane, ça c'est bon. On a la place 85 dans les vidéoconférences. On va regarder un petit peu les contrats. Alors, art martial, non. Any topic RPG sur... Je ne sais pas. Ça, on pourrait le faire. Low, on n'a pas non plus. Romance, on n'a pas non plus. Non, on va refaire un jeu pour nous. Et tant pis, on fera avec Sony, c'est pas grave, mais on va faire la suite de... Oh putain, il est où?
De TMG City. Non, de Resident Evil. Réaction, on va mettre ça sur PlayStation. Tant pis. Attendez, je regarde juste si Dreamvast c'est pas bien en action. Oh si, on va faire ça sur Dreamvast. Tant pis. Dreamvast avec le nouveau moteur graphique. On va faire ça en médium pour tout le monde. Alors, on va mettre Resident Evil 2. Un jeu qui avait très bien marché, on va mettre ça en 2D graphique V3. Donc là, ça va envoyer du pâté. Reste sur PC. T'es sûr? Attends, je regarde un petit peu les... Ouais, mais PC, action, c'est pas terrible. Et c'est plus pour les matures, hein, PC. Donc c'est pour ça que je ferais bien sur Dreamvast. Non, tant pis, je fais sur Dreamvast comme j'avais pensé. Et au pire, je me plante, hein, c'est pas un souci. Je crois qu'on a un peu de thunes derrière pour se relever. Alors, action, comment ça allait? Engine ici. On baisse. On va mettre moi là-dessus plutôt. On va mettre l'autre. L'autre, bon, il est là. Là-dessus, Alicia, là-bas. Comme tu ne fais rien en général, on va mettre Crunching Story. Multijoueur. Simple cutscene. Voilà, on va pas mettre Branching Story parce que le problème c'est que bah, ça va être qu'à 33%, donc je vois pas l'intérêt. Comme ça, ça nous coûte un peu moins cher. Voilà. Tu vas faire que ce jeu. Non, on va faire pas mal de jeux encore aujourd'hui. Je crois que je vais faire jusqu'à 2h du Game Dev Tycoon, puis on fera. Un petit peu de LOL parce que ça fait longtemps que j'en ai pas stream et peut-être qu'à la fin on fera un petit peu de Darksider ou un petit peu de Dofus, je verrai bien. On va faire un petit jeu en 3D pour améliorer la technologie. Ouais, on pourrait le faire. Alors ça, j'ai du travail pour toi, tu travailles sur un nouveau jeu, est-ce que tu veux en parler? Oui. On va rester modeste. En espérant que ça va aller, on va faire un petit peu de marketing. Petite campagne. Ouais, allez. On a investi, hein, puisque maintenant on est des génies. Easter egg, Easter egg. Voilà, on met masse comme ça. Alors, action, on doit rien changer. Normalement, c'est bon. Alors, on va mettre. Comment ça va le deuxième? C'est 40-60, donc il faut quelqu'un qui est bon dans les deux. Voilà. J'hésite en fait. Non, on va changer lui et Alicia. Voilà. On attrape pas mal de hype en espérant qu'on va faire un. Enfin, développer un bon jeu avec le nouveau moteur de. LOL de Fus, ok, je reste. 86 de hype. Et on est qu'à la deuxième, on est déjà à 65 de technologie. Donc là, ça va envoyer du pâté. Alors, Soundtrack Stereo Sound. Day and Night Cycle, non, on va mettre Open World. Non, on va mettre Day and Night Cycle, comme ça on a un jeu qui fonctionne sur le jeu, enfin la journée et le soir. Alicia qui fout rien comme d'hab. Bah ouais, c'est ça le truc, Alicia elle fout rien, mais. Alors, ça va comment? Le son doit rien changer normalement. Voilà, normalement ça devrait être bon. Alors, ça se passe comment? C'est 50-50, donc on peut me laisser là. Le son, il faut pas mal de design, donc on va plutôt mettre Liam. Et alors, pour design, 50-60, on va mettre Alicia, comme ça, elle fait un peu quelque chose. Donc on va le créer comme ceci. Après, on fera un petit jeu en 3D, comme vous me l'avez conseillé. Donc là, on est en train de faire un putain de jeu. On a des 88 de technologie. Boum, 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 boum. Mon dieu, 101, on a dépassé les 100. On enlève tous les bugs. On enlève les bugs. Hop, technologie. Hop, 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 ça continue de monter. Stop. 78, 107.
Double nouveau record, nouveau topic, good management. Allez. C'est vrai qu'Alicia elle fait pas grand chose hein. Pour le moment, faut l'avouer. Nouvelle recherche, mini game. Ah, oh, bah ouais, on va faire un mini jeu. Ah, on va changer de d'endroit. Technologie Park. On va payer pour 8 millions. Allez, ouais, on y va. On change d'endroit. Et voilà, un nouveau bureau. Oh putain, il dégomme notre truc. Eh, on peut avoir 7 personnes. Train. Hello, Capi Banana. I just learned to run. Putain, il faut 500. Oh, faut s'entraîner à mort en fait. Teach and learn. Non. Alors, boss, j'ai découvert un. Let them be. Game review de Resident Evil. Oh oui, allez. Bim, un 10. Voilà, ça c'est bon. Bim, encore un 10. Allez, on peut le faire. 10. Allez, 10. Oh, l'enculé. L'enfoiré. Il me fait toujours espérer qu'on va avoir un full 10 et on l'a jamais. Alors, on va chercher un nouveau game demo. Ah, 250 000. Non, on va mettre 200 000, comme ça on investit pour les deux. 200 000. Oh là 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 là. Les nouveaux bureaux sont vraiment bien. Alors je pense que le building... Always attack bigger projects on innovation. J'ai fait une nouvelle recherche, je pense qu'on peut ouvrir un nouveau labo. Avec des teams recherche. Oh. You have been slain. Ah ouais, non, regardez où on est. On est déjà à 130k, donc... Alors, la suite. Alors, la suite de Capi à la banane est récemment sorti le nouveau jeu. Et les réponses sont vraiment... Et non, regardez ça, le nombre de ventes. Putain, la vitesse. Alors, Jennifer, celle-là, elle est pas mal. Alors, non, on va prendre Jennifer. Jennifer, elle a l'air vachement forte. Today, la Xbox vient de sortir. Ça, c'est bon. On vient de sortir. On vient de dépasser les 500 000 de ventes. Donc, on va rechercher un complexe algorithme à 200 000 comme l'autre. Alors, on a masse recherche. Toi, tu vas faire une recherche. Alors, toi, tu vas faire mini-jeu. Et les autres, vous allez aller faire le game report. Voilà. Et toi, tu vas aller en vacances. Merde, elle peut pas. Elle a été vendue plus d'un million de fois, Resident Evil 2. Ça, c'est très bon. Faire la recherche, le rich backstory. Toi, tu ne peux rien faire. Alors, salut, je suis Denise Ride, je suis un développeur de un des meilleurs Pokémon jaunes, voilà. J'ai récemment été informé que le département advise to stop us and just want to say, voilà. Ah, ils veulent pas qu'on arrête, ils veulent qu'on fasse une suite. On a gagné 13 000 fans, voilà. Game Dev Tycoon, là, le nom du jeu. Quelqu'un peut m'écrire le nom du jeu. On vient de te le mettre dans le chat. Un nouveau recherche. Oh, jeu large. Alors, Jason Gomez, non. Master 780 technologies. Oh mon dieu. Jack Torres. Putain, j'ai bien envie de le prendre. 780. Oh, allez, Jack Torres. Alors, on a le nombre maximum d'employés. Ça, c'est bien. On va te faire ton petit speech de bienvenue. Toi aussi, ton speech de bienvenue. Alors, contrat de work.
Voilà, on a des nouveaux contrats. Elle aimerait bien l'envoyer en vacances en fait, mais elle veut pas. Moi aussi je suis crevé en fait. Un complete minigun, rich backstory, ça c'est bon. Donc on a notre bureau qui est rempli de geeks, on a 40 millions. Tu veux pas virer Alicia? Pourquoi tu veux qu'on vire Alicia? Non, je pense qu'on doit faire la suite de Pokémon. La suite de Pokémon aura argent. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien en casual dans les consoles? La Vena, non, Super Tess. Il y a toujours la Game Line, mais il n'y a rien de nouveau. Il n'y a toujours pas de console, ça m'énerve. 11% de part de marché. Mais c'est pas dégueu en fait, 11%. Avec le nouveau Bouleversé Zone. Alors on va faire Pokémon, Argent et Platine. Dites-moi si c'est le bon. Après, attendez, on va demander. Après Pokémon, Or et Argent. Lequel? En vrai, c'est quoi celui qui a suivi Pokémon Argent en fait? Ah, tu peux pas faire une suite de Pokémon. Oh, si, on va faire la suite de Pokémon Jaune. Si tu veux. Il est où? Je l'ai déjà passé, je pense. Anax Story, Fruit Ninja, TMG, nan. Putain, c'est si loin que ça. Mais non, en fait, la suite, elle est déjà là. Il n'y a plus en fait Pokémon Jaune, puisqu'on avait déjà fait la suite, donc on est obligé de prendre celle-là. Obligé de prendre Pokémon Or et Argent. Ah, c'est Ruby, Saphir, ouais, voilà. Pokémon, Ruby et Saphir. Alors, on va refaire ça sur Gameline, malheureusement, Bouleversé Zone. On espère que tout le monde va être chaud. Ah, c'est Ruby et Saphir, on vient de me le rappeler. Alors, oulala. Donc ça c'est Mas, ça c'est que dalle. On va faire un branching story. Alors. Donc c'est du. Il faut Mass Design. Qui a le plus de design de la société? C'est Jennifer. Donc on va te mettre là-dessus. Et celui qui a le plus de technologie, c'est lui. Donc on va le mettre ici. Et l'autre, c'est aussi Mass Design. Donc on va mettre moi. On va essayer de laisser travailler un peu tout le monde. Ah si, on peut faire des nouveaux trucs. Non, tant pis, je fais sur la Game Line. Parce qu'il n'y a toujours pas de nouvelle console en vue. On va faire un peu de marketing. À 500 000, ou alors une grosse campagne à 2 millions. On va faire une petite campagne, voilà. En espérant qu'on va avoir des bons revenus. Président débile qui a été vendu à 2 millions 3. Un peu pété le jeu. Donc c'est repareil. Donc là, il faut quelqu'un qui est bien équilibré. Genre moi. On va mettre en dialogue, il faut Mass Design. Qui a Mass Design? Lui. Et alors le dernier, Mass Technology. Qui a Mass Technology? C'est Jack. Regardez ça. Le nombre de points qu'on va avoir. Alors, Resident Evil 2, enfin, Resident Evil 2 a été vendu à 2 millions 3 d'exemplaires et a généré 25 millions de revenus. 25 millions. Sepper Stone, ça, je trouve que ça ressemble à un jeu de cartes Slim. Non, c'est pas du tout ça, Hearthstone. Regardez ça, les points. Là, on n'a pas à changer normalement. Alors,
Quelqu'un de bien équilibré. On va mettre lui. Qui a un peu plus de design. Ici. Ah non, lui il est mieux équilibré. Alors on va mettre Alicia ici. Et quelqu'un qui a un peu plus de design. Connor Rogers, c'est pas du tout ça en fait. Non, on va laisser ça comme ça. Non, cycle jour-nuit pour un Pokémon, ça c'est bien. Et voilà, donc là on crée un jeu de malade mental. Regardez ça, les points qu'on atteint. Allez, 33 bugs. Allez, enlevez-moi ces bugs. Alors on stoppe 110-780. Double nouveau record, good management. Alors on espère que ça va fonctionner. Après on prendra un nouveau topic, on fera un jeu pour tout le monde. Alors il demande plus de salaire. Oui, allez. Nouvelle recherche, advanced cutscene. Alors toi tu vas faire une recherche. On va prendre advance. Et l'autre va faire game review. Allez, fais-nous un bon score. 7, ça va. 8. 8. Allez, un petit 9. 8. C'est pas mal. 7,75, c'est pas mal pour une suite. Toi, tu vas nous faire le game report. On va attendre d'avoir un petit point en plus. Et puis, on va faire la recherche pour large game. Voilà. Recherche. Large game, voilà. Puis on fera multi-genre achievement. Et puis on créera un nouveau moteur de rendu. Bien. Bon, ils ont dit qu'en gros il était bien, mais que l'original était mieux. Donc voilà, c'est pas... tu es en retard en 3D. Ouais, il faut qu'on fasse un jeu en 3D. On va prendre un nouveau genre s'il y a moyen. À moins qu'on fasse... Attendez. Qu'est-ce qu'il y a dans les contrats comme ça qui nous demandent 8 de moyenne. Là, on a toujours pas... Un jeu de game dev. Ah oui. Airplane stratégie. Il y a moyen de la faire, hein, celui-là, franchement. Sur Gameline... Attendez que je regarde. Airplanes. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Oui, c'est très bien pour tout le monde. Oh oui, on va le faire. On va faire ce contrat-là. On va attendre que lui, il termine. On va mettre tout le monde en vacances. Comme ça, et quand ils reviennent, on fait le jeu de l'année. Nous, on va s'entraîner s'il y a moyen. Ça coûte super cher. Le truc, c'est qu'on peut s'entraîner masse, mais j'ai pas de points. Alors là, on fait des entrées pour Pokémon Ruby Saphir. Manabot nous dit bonne nuit, les petits. 62 viewers, les gars. Je vais regarder, il est quelle heure? Il est 46. Donc dans une dizaine de minutes, je pense qu'on ira un petit peu sur l'heure. On a fait 455 000 entrées. Donc on va encore monter, je pense. On est 71 dans le top 100. Et des industries. On va attendre que tout le monde revienne. Pokémon qui se vend en masse. On a 174 000 cas de fans. Donc on va attendre que tout le monde revienne de vacances. Et voilà. Publish deal. Alors, nous dit un jeu large. Pénalité d'un million 7 fois. Un jeu d'action sur. Mais l'eau, on l'a pas en fait, c'est ça le problème. Il nous faut un jeu RPG. Qu'est-ce qu'on a, un truc qui allait bien en RPG?
vrai qu'on ferait bien ça. On va regarder les nouvelles consoles. Les plateformes, alors il y a quoi? Xbox, enfin Mbox, RPG c'est très bien, et la PPS aussi, et la Play System aussi. Ah non, c'est la Mbox 160. On va faire ça sur Play System. Tant pis, on l'achète. Alors, qu'est-ce qui pourrait être très bien en RPG? Attendez, et la Play System 2, c'est bien pour tout le monde. Donc il faut un jeu RPG pour tout le monde. Alien, est-ce qu'on l'a Alien? Non. Medieval. Medieval, c'est bon, RPG, c'est bon pour tout le monde. On va faire Medieval. Un RPG Medieval sur PlayStation 2 avec le nouveau. Et on va faire un jeu médium pour tout le monde. Alors on va mettre Medieval RPG sur PS2. Un RPG en ligne. Oui, on peut le faire. Puisqu'on a le multijoueur, donc Medieval RPG, c'est franchement pas mal. Alors j'attends vos noms de jeu. Medieval RPG sur PS2. Alors t'as un Dazzle, je pense que tu veux parler. Non, mais j'ai un HDP VR2, donc allez, donnez des noms. Limite on peut faire Game of Thrones. Game of Thrones. Vas-y, sors ton WoW à 10 millions. Oh ouais, World of Warcraft. Marteau de guerre. Mais c'est un médium. Hein. Medieval RPG sur PS2, on peut faire World of Warcraft. On va le faire en 3D. Il faut qu'on augmente nos 3D en tout cas. World of Capicraft. Alors, donc c'est un RPG, donc ça à fond, ça tu baisses un peu, voilà. Alors comment ça se passe pour un... Donc il faut Mass Design pour le premier. Mass Technique pour l'engine, on va mettre lui. Mass Design, qui a Mass Design? Lui. Et lui. Voilà. C'est vrai qu'on ferait bien de virer Alicia un jour parce qu'elle fout vraiment rien. Regardez ça. Mon dieu. Et c'est un jeu moyen, hein, c'est pas un large. Regardez ça, on est déjà à 40-60 au premier truc. Putain, c'est abusé ça. Alors, RPG, le deuxième. Donc, Mass Dialogue. Un peu moins, voilà. Alors. Il faut un qui a Mass Design, vraiment masse. On va mettre lui. Et un peu de technologie, c'est bien. On va mettre plutôt moi. Alors le deuxième, il faut quelqu'un qui a plus de technologie que... On va mettre Jennifer. Et alors le dernier, Mass Technologie, il n'y a rien en design. On va mettre Jack. Les autres ne foutent rien pour le moment. On va mettre allez, Connor, comme ça tout le monde travaille un petit peu. On va faire un petit peu de marketing. Une petite campagne, voilà. Alors, Pokémon Ruby et Saphir a généré 4,3 millions. Allez. Ça n'a pas été vendu beaucoup, mais ça a fait ma thune. Donc, au final, c'est worth it, j'ai envie de dire. C'est de la merde, je me casse. Alors, Jackie de France qui vient, il fout la merde. C'est vrai qu'on pourrait faire Diablo aussi. J'y avais pas pensé. Donc, RPG, il faut le world design à fond. Ça, tu le baisses un peu. Voilà. Et alors, le son, on s'en fout. Voilà, ça me semble pas mal comme ça. Alors, comment ça se passe? Quelqu'un qui a beaucoup de design. Est-ce que lui, il a déjà trop travaillé? Oui. Donc, on va mettre Ricky. Alicia, tu vas aller là-bas puisque tu sers à rien de toute façon. Et alors, il faut 50-50 au milieu.
On va plutôt mettre Alicia ici et lui là-bas. Voilà. On est parti pour créer notre jeu. World of Warcraft, le jeu de... Alors dans 2 mois, la première PlayStation... Non, la PlayStation 1 ne sera plus en vente. Donc on pourra plus faire de nouveaux jeux dessus. Mais regardez ça le nombre de points. On a 100 aidés de hype. Oh mon dieu. On enlève les bugs. Allez, ça continue d'augmenter. Ah, la GameCube! On va enfin pouvoir refaire. Top, ouais, pas de bug. 132-177. Allez, bim. Alors, soit faut virer... Attends, soit faut en virer, soit faut faire 2 jeux en même temps. Y'a plus de Crash Bandicoot. C'est vrai qu'on pourrait faire un Crash Bandicoot, ça pourrait être sympa. Alors, il demande Alicia, putain, encore plus de thunes, t'es sérieuse ou quoi? Tu fous rien, ma fille. Game review pour World of Warcraft. 6, bon, pas énorme. 10. 8. Allez, un petit 8. 6, oh, c'est pourri. Toi, tu vas me faire... Non, toi, tu vas me faire le game report. On a 72 de recherche. Ah non, merde. On va attendre d'avoir 80 pour faire les jeux à double... Oh là là, il se vend masse! Regardez ça, il est déjà à plus d'1 million. 1,5 million. Ah oui, c'était un contrat, c'est normal, putain. Aujourd'hui, là... La Gamesphere était sortie, ça c'est bon. Alors le Game Report, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va regarder quand même les recherches qui sont possibles. Ouais, on va augmenter, on va faire les achievements. Voilà, on va prendre un nouveau topic. Comme ça on aura tout sauf le nouveau truc. Alors... Tu restes toujours dans ces salles où il y a des possibilités de pousser. What? Donc il est 55, je crois qu'on va en créer encore un jeu, puis après on ira sur League of Legends. Alors, la nouvelle console, donc là. La Gamesphere est très bien pour les jeux casuals. Merde, on aurait dû faire Pokémon là-dessus en fait. On va rester sur Play System 2 et on va faire un jeu d'action. On va regarder Wild West. Jeu d'action, pas trop mal, RPG c'est mieux. Alors est-ce que sur PlayStation on peut faire des RPG? Oui. On va prendre Wild West. Et puis on va créer notre jeu de... Est-ce que tu vas aller un petit peu en vacances le temps qu'ils fassent leur recherche. C'est vrai qu'on virerait bien les deux là, n'empêche. Complete achievement. Voilà, Wild West, c'est bon. On va créer un nouveau jeu. Alors, on va créer un jeu large. Voilà, alors. Wild West, c'est mieux pour les jeunes ou les matures. Et la PlayStation est mieux pour... Bon, on va faire pour tout le monde, tant pis. On va faire aller pour les jeunes. Alors, Wild West. RPG sur PlayStation. Non, on va faire pour tout le monde. C'est bien équilibré en fait, c'est ça le truc. On va faire pour tout le monde. Allez, on est parti. Alors, puis un petit bureau, et là c'est le 4ème. Ouais, on est déjà au 4ème bureau. Regardez World of Warcraft, 3,4 millions de ventes. On va prendre le Bulvezone. Alors, on va appeler ça Wild West RPG sur PS2. Oups. Une idée?
Elle est vite, comme ça on le crée et puis on peut aller sur League of Legends. En 3D, oui, on va le faire en 3D, t'inquiète pas. Tu regrettes pas d'être venu parce que c'est sympa ce truc, et ben ouais. Mais je suis content que tu sois venu aussi, Slim the Rappy. Franchement, ce jeu, c'est tellement énorme, quoi. Que je pense que quand j'arriverai au bout, je serai un peu dégoûté. Surtout que là, on est que à la 15e année, on va jusqu'à 35. Hein. Donc, on n'est même pas à la moitié. Et on est déjà bien parti, on a déjà fait pas mal d'heures dessus. Donc, c'est vraiment un très très bon jeu. Composé de pas mal de monts et toutes sortes de jeux. Bon, vous avez pas d'idée pour le Wild West. Je sais pas, mais on va faire World Wild Z. Allez, on est parti. On va faire de la 3D. Soyons fous, appelez-moi Slim. Pas grave, on va t'appeler Slim, t'inquiète pas. Alors, donc c'est un RPG. Comment on doit mettre ça? Alors, RPG, bah, c'est bien mis comme là. Alors, le premier, c'est Mass Design. On va mettre plutôt comme ça. Plus équitable. Alors, l'engine, Mass Technology, Jack Torres. Voilà, là, c'est bien mis. Normalement, c'est payant ce jeu. Oui, il est à 9 $, 9 euros, je pense, sur Steam. Mais franchement, ça en vaut vraiment la peine. C'est tellement énorme ce jeu. On va faire une campagne de marketing de malade mental à 2 millions, voilà. On a les moyens de toute façon. Gardez ça un petit peu, les points. Alors, hein, GamePro, j'ai 2-3 questions. Ouais, on va... Alors, GamePro, maybe reader records. Alors, comme c'est un RPG, on va faire... Plus de level design. Merci. Regardez ça, les points qu'on est au premier truc. Voilà, là on est bien mis. Alors les dialogues, il faut vraiment beaucoup de design. On va mettre lui. Le deuxième, il faut un peu plus de technologie que de design. Donc on va mettre Ricky. Et Alicia, on va te mettre là-bas. Ok, Connor Rogers. Ouais, non, on va laisser Connor Rogers. Et on mettra Alicia dans le dernier truc. Je regarde, je vérifie si c'était bien, ouais. Alors là, les gars, on a fait une grosse World of Warcraft. Et maintenant, hors du marché, il était vendu à 3,7 millions unités. Et a généré 4,9 millions de revenus. Ça donne quoi, en fait, niveau thune? World of Warcraft. Profit 3 millions d'euros, ouais quand même. Après ça, ben, la prochaine fois, vous me le rappellerez, mais on fera la suite de Pokémon, mais sur GameCube cette fois-ci. Enfin, GameSphere, qu'ils appellent ça. Alors, on va bien répartir ça. Donc, il faut Alicia, elle est où? On peut la mettre sur... Ça, oui. Ricky, il faut un peu plus de design, donc on va mettre plutôt Alicia là-dessus. Ricky là. Non. Ricky là-bas. Merde. Il est où Liam? Non. Voilà, c'est à peu près réparti. Non, on va échanger Jack et Connor. Voilà. Alors, en 2 mois, la Tess 64 sera hors du marché. On n'aura rien fait dessus sur cette fameuse Tess. On va faire large, hein, c'est la convention. Faudrait que la convention soit juste avant que le jeu sorte. Voilà, le jeu est fini malheureusement. On enlève les bugs.
continue d'augmenter. Ok, apparemment il y a des bugs sur World of Warcraft. Voilà, on va attendre World War Z. Alors, le seul truc que je pourrais avoir en semblant, c'est le plaisir, c'est sur Theme Hospital. Ouais, c'est vraiment pareil, mais Theme Hospital, c'est faut être réactif à moi. Donc là, on a Mass Hype. On va attendre que le bug s'enlève et on va terminer. Voilà, la T64 n'est plus supportée. Donc niveau technologie, double nouveau record, nouveau combo, voilà. 1,8. Notre graphique, notre 3D graphique qui passe au-dessus, ça c'est bon. Toi, tu vas me faire develop patch. Ah ouais, on devait faire le patch pour World of Warcraft. On va faire la recherche pour la 3D. Toi, tu vas faire le game report. Et on va attendre d'avoir le review. Et puis, on se dira stop sur Game Dev Tycoon pour aujourd'hui. 5. Oh là 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 là, c'est pas terrible. 6. 5. Allez, un 6, voilà, 5,5, c'est pas énorme. On va sauvegarder. Et on va se dire stop, je vais faire un petit cut pour la VOD, vous inquiétez pas, je reviens dans une minute. Donc pour ceux qui regardaient sur YouTube, merci d'avoir suivi la session. Donc nous on va continuer sur League of Legends, j'essaierai de mettre aussi la rediff. Et puis peut-être qu'on fera un peu de Dofus à la fin, donc ne bougez pas, à tout de suite.